Chers élèves, bonjour. Je me présente, Madame Enissa Kawel Mahchoubi, enseignante au lycée pilote de l'Ariana. Je vous présente aujourd'hui un cours de langue qui fait partie du module numéro 5 intitulé « Poésie » et destiné aux élèves de la 4e année lettres. On expliquera aujourd'hui le discours rapporté. On pourrait se demander sur le rapport entre poésie et discours. Le poème est-il un discours? Le poème comporte-t-il un discours? Alors la réponse est oui, le poème est un discours puisque c'est la voix du poète qui parle, qui s'exprime. Cette voix, elle peut être lyrique, elle peut être satirique, elle peut être révolutionnaire. Le poète peut s'adresser à son peuple, comme le cas de Hugo dans ses châtiments. Il peut aussi s'adresser à son peuple, dans le cas de la poésie engagée, comme vous avez vu avec Diop dans son poème Afrique. Le poète peut aussi s'adresser à la bien-aimée, comme Verlaine dans son colloque sentimental. Alors la poésie, elle touche à plusieurs genres et sous-genres qui sont basés sur le dialogue. On peut prendre l'exemple des fables, et là je cite les fables de La Fontaine. On n'oublie pas aussi que le théâtre était écrit sous forme versifiée, et là on pense au théâtre classique. On prend l'exemple de Phèdre, de Racine, ou alors le Cid de Corneille. C'est vrai qu'il est difficile de rapporter un poème de par son caractère imagé, métaphorique, multiple, mais il est important d'identifier le type de discours qu'emprunte une voix, quelle qu'elle soit, poétique ou autre. C'est pour cette raison qu'au cours de cette séance, nous nous sommes fixés trois objectifs. Le premier, et de vous permettre de distinguer les trois types de discours, à savoir le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre, ainsi que leurs caractéristiques. Le deuxième objectif est de vous permettre de maîtriser l'emploi des verbes introducteurs, et le dernier objectif, de vous amener à maîtriser le mécanisme transformationnel du discours rapporté. J'ai choisi pour vous un extrait en prose et non en vers, parce que la prose est plus simple. Donc l'extrait est de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Je lis donc l'extrait. « Elle se répétait, j'ai un amant, se délectant à cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue. D'ailleurs, Emma éprouvait une satisfaction de vengeance. N'avait-elle pas assez souffert ?» La journée du lendemain se passa dans une douceur nouvelle. Ils se firent des serments. Elle lui raconta ses tristesses. Rodolphe l'interrompait par ses baisers et elle lui demandait, en le contemplant les paupières à demi-closes, de l'appeler encore par son nom et de répéter qu'il l'aimait. Ce récit contient quelques passages discursifs. Nous allons essayer de les repérer. Qu'est-ce qui m'aide à repérer un discours dans un récit? Ce qui m'aide à repérer le discours dans le récit, ce sont les verbes introducteurs. On va essayer de voir ensemble combien il y a de verbes introducteurs dans cet extrait. Au début du texte, on voit le verbe répéter. Au deuxième paragraphe, nous avons le verbe raconter et tout de suite après, nous avons le verbe demander. On va essayer de voir si ces verbes introduisent le discours de la même manière. On prend le premier exemple, je lis, elle se répétait, j'ai un amant. Par quoi se caractérise ce discours ? Alors ce discours, il se caractérise par une typographie particulière qui consiste en quoi? Elle consiste donc en la présence des deux points et des guillemets. À quoi servent les deux points? Les deux points servent à dissocier la parole, le verbe de parole et la parole, c'est-à-dire le discours citant et le discours cité, et les guillemets servent à conserver la parole telle qu'elle. D'ailleurs,
on remarque que la parole, elle est attribuée à son propre locuteur qui parle ici, c'est Emma. Donc, la parole est conservée telle que Emma l'a dite. Alors, après, qu'est-ce qui justifie maintenant l'authenticité de la parole ? Ce qui justifie cette authenticité, c'est la présence des points d'exclamation qui traduisent quoi ? Qui traduisent ici une forme d'expressivité, c'est une expressivité donc qui traduit l'euphorie du personnage, sa joie, son bonheur. Qu'est-ce qui justifie encore son bonheur ? Alors c'est la répétition du syntagme nominal un amant qui rappelle ici le discours oral. Comment on appelle alors ce discours ? Ce discours, on l'appelle le discours direct. On passe au deuxième verbe introducteur. Je lis, elle lui raconta ses tristesses. Alors ma question est la suivante, est-ce que le mot tristesse épelle la parole ? C'est-à-dire, est-ce que dans le mot tristesse, nous avons la parole proprement dite ? Non, alors on remarque que le mot tristesse résume les peines vécues. Il ne dit pas exactement la parole, mais il résume la parole. On appelle ce discours le discours narrativisé. Alors ce discours ne figure pas dans votre programme, mais on l'a relevé à titre indicatif. On passe maintenant au troisième verbe de parole. Donc, je lis l'exemple. Elle lui demandait, en le contemplant, les paupières à demi-closes, de l'appeler encore par son nom et de répéter qu'il l'aimait. Est-ce que ce discours rappelle, par exemple, le premier discours, le discours direct, dans le sens, est-ce que, par exemple, la parole, elle est dissociée du verbe de parole ? Non, on remarque ici que la parole, elle s'intègre carrément au récit, elle fait partie du récit, elle ne le rompt pas. Donc, autre remarque, dans ce discours, il n'y a pas de point d'exclamation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme d'expressivité, ce qui nous amène à dire que ici le discours perd de son expressivité, mais il gagne en sobriété puisqu'il ne rompt pas le récit. Comment est-ce qu'on appelle ce discours ? Alors ce discours est appelé le discours indirect. Je vous demande maintenant de voir dans le reste du texte, est-ce qu'il y aurait une autre parole qui serait introduite autrement que par un verbe introducteur ? Est-ce qu'il y a, par exemple, une typographie qui pourrait rappeler, par exemple, le premier discours ? Alors oui, on remarque qu'à la fin du premier paragraphe, la présence d'un point d'exclamation qui rappelle le discours direct. Je lis la phrase, n'avait-elle pas assez souffert ? Donc c'est une parole expressive, un peu comme le discours direct, mais cette parole, elle est là sans guillemets, et là, elle rappelle un peu le discours indirect. On dirait que ce discours, il est à mi-chemin entre le discours direct et le discours indirect. Qui parle ici ? Est-ce Emma ? Est-ce que c'est le narrateur qui parle ? Ici, c'est le narrateur qui parle. Il se met dans la peau de son personnage et s'exprime à sa place. Nous sommes donc face à un narrateur omniscient qui sait tout de son personnage. Comment on appelle ce discours ? Ce discours, on l'appelle le discours indirect libre. Au total, nous avons quatre types de discours, mais nous allons nous intéresser à seulement trois. Alors nous avons au début du texte le discours direct, ensuite nous avons le discours indirect libre et en troisième lieu nous avons le discours narrativisé mais que nous allons écarter et au final nous avons le discours indirect.
Nous allons alors essayer de résumer les caractéristiques de chaque type de discours. On va commencer par le discours direct. Alors, le discours direct se caractérise par quoi ? Il est introduit par des verbes de parole ou introducteurs. Ces verbes de parole sont suivis de deux points où on incise. Le discours direct aussi, nous avons dans le discours direct aussi les guillemets ou les tirets. Et puis, le discours direct conserve la parole telle qu'elle. Il ne la change pas avec les marques de l'oralité et la ponctuation expressive. Alors, quels sont les effets stylistiques du discours direct ? Alors, le discours direct, il crée un effet de réel, il apporte du rythme dans le texte, il reflète aussi l'état d'esprit du personnage, comme le cas d'Emma ailleurs dans d'autres exemples, il peut refléter le caractère, l'origine sociale du locuteur. Pour ce qui est du discours indirect maintenant, alors lui-même est introduit par un verbe introducteur qui est suivi d'une subordonnée conjonctive complétive ou interrogative ou encore un groupe infinitif. Alors pour au discours indirect, il y a un changement de la personne, c'est-à-dire que la première et la deuxième personne du discours direct deviennent dans le discours indirect la troisième personne. Nous avons aussi un changement au niveau de la ponctuation, le point d'interrogation et le point d'exclamation deviennent tout simplement un point final. Dans le discours indirect, on est aussi amené à faire la concordance des temps dans la subordonnée. Quels sont les effets stylistiques du discours indirect ? Ces effets stylistiques, c'est que le discours indirect évite d'interrompre le récit. Le discours indirect libre, maintenant, alors il intervient dans le récit d'une manière presque inattendue puisqu'il n'y a pas de verbe introducteur. Il n'y a pas de guillemets non plus et pourtant il y a les marques de l'oralité et la ponctuation expressive. Et là, il retrouve un peu le discours direct. Dans le discours indirect libre, nous avons, comme le discours indirect, un changement au niveau des personnes et la concordance des temps. Quels sont les effets stylistiques du discours indirect libre ? Alors, il évite d'interrompre le récit 1 et 2. Et c'est ce qui est, je crois, le plus important, c'est que le discours indirect libre superpose et fusionne la voix du narrateur et celle du personnage. Après avoir cerné les différentes caractéristiques des trois types de discours, nous allons maintenant rappeler les paramètres de l'énonciation. Je rappelle que locuteur renvoie à celui qui produit l'énoncé. Destinataire, c'est celui à qui l'on s'adresse. On peut aussi appeler interlocuteur. Le code, c'est la langue de l'énoncé. Et puis la situation, c'est le temps et le lieu de l'énonciation. La question qu'on pose maintenant, est-ce qu'on peut rapporter aisément et fidèlement les paroles d'autrui ? Alors pour rapporter une parole, nous avons besoin d'un verbe introducteur. Ce dernier ne rend pas systématiquement compte de l'intégralité de la parole. Pour rapporter une parole initiale, nous avons besoin d'une réception, de la compréhension et puis du décodage. Un même message peut ne pas être interprété de la même manière. On peut avoir plusieurs interprétations d'un même message, ce qui pose un problème au niveau du choix du verbe introducteur. Alors, on le voit d'ailleurs dans l'exemple suivant, on a au discours indirect l'énoncé suivant, les employés demandent une amélioration de leurs conditions de travail. Comment comprendre le verbe demander ? Est-ce que le verbe demander a le sens
par exemple, du souhait. Et dans ce cas-là, nous allons avoir dans le discours direct une réplique comme nous voulons une amélioration de nos conditions de travail. Est-ce que le verbe demander a le sens de la détermination? Et dans ce cas-là, on va penser à une réplique comme dans le deuxième exemple, il faut améliorer nos conditions de travail. Est-ce que le verbe demander renvoie à une injonction? Et là, nous allons avoir une phrase comme il faut que soient améliorées nos conditions de travail. Est-ce que nous comprenons le verbe demander comme une sorte d'objection? Et là, nous allons avoir nous refusons de continuer à travailler dans ces conditions, ou encore le verbe demander va avoir le sens d'une simple, c'est-à-dire déclaration. Là, nous allons avoir au discours donc direct une phrase comme nous travaillons dans des conditions inacceptables. Alors, on remarque que le verbe demander ici réfère à différentes situations énonciatives. Où le statut du locuteur est tantôt supérieur à celui de l'interlocuteur dans le cas de l'injonction, tantôt inférieur dans le cas alors de la simple requête. Il faut donc choisir un verbe introducteur d'une manière consciente. Le choix ne se fait pas d'une manière gratuite, mais il se fait en fonction des modalités énonciatives du discours initial. Et ce sont les types de phrases qui traduisent cette modalité énonciative. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle ? On parle pour donner une information. Et là, on va penser à un verbe introducteur comme dire, répliquer, affirmer, déclarer, annoncer. On parle aussi pour poser une question. Et là, donc, nous allons prendre comme verbe de parole le verbe demander, interroger, questionner. Alors, on parle aussi pour traduire une exclamation. Et là, nous avons plusieurs verbes comme acclamer, crier, déclamer. Ou alors, on parle tout simplement pour donner un ordre. Et bien sûr, nous avons plusieurs verbes comme le verbe ordonner, obliger, exiger, etc. Donc, je rappelle que le verbe de parole ne traduit pas seulement la parole, mais il peut traduire la manière de parler. C'est-à-dire que je peux parfois parler à voix basse. Et là, je peux choisir des verbes comme murmurer, comme chuchoter. Je parle aussi à voix haute. Et là, je peux avoir des verbes comme hurler, comme vociférer. Je peux aussi hésiter, bégayer. Alors, tous ces verbes-là sont considérés comme des verbes de parole, des verbes donc introducteurs. Je rappelle encore une fois que le choix du verbe introducteur n'est pas gratuit, qu'il se fait d'une manière très consciente par souci de fidélité à la réalité. On passe maintenant à un exercice d'application. Il s'agit d'une transposition du discours direct vers le discours indirect. Donc, j'ai choisi pour vous un tout petit extrait de La Peste d'Albert Camus. Alors, il s'agit d'un petit échange entre Tarot et le docteur Rieux qui discute des mesures à prendre contre l'épidémie de la peste à Oran. C'est Tarot qui commence à parler le premier. Voici ce qu'il dit. Dans 15 jours ou un mois, vous ne serez d'aucune utilité ici. Vous êtes dépassé par les événements. C'est vrai, dit Rieux. La question est donc la suivante. On vous demande de transposer l'énoncé ci-dessus du discours direct vers le discours indirect en opérant les transformations nécessaires. Alors, déjà, pour passer d'un discours à un autre, quel temps faut-il choisir? On peut choisir donc le présent. On peut choisir le passé et rarement le futur quand on projette une parole dans le futur.
Alors, si on choisit le présent, on va mettre le verbe introducteur au présent. Si on choisit le passé, on va mettre le verbe introducteur au passé. On va commencer donc par une transposition au présent. À quoi faut-il faire attention lorsqu'on transpose un discours d'un style à un autre? Alors, on doit faire attention aux pronoms personnels, on doit faire attention aux adverbes de temps et de lieu, on doit faire attention au temps des verbes et nous devons aussi faire attention au type des phrases. Nous allons donc transposer au présent et nous avons la réponse qui suit. Tarou affirme que dans 15 jours ou un mois, il ne sera d'aucune utilité ici et qu'il est dépassé par les événements. Rieu dit que c'est vrai. Qu'est-ce qui change ici? Alors, est-ce que l'adverbe de temps change? Alors non, l'adverbe de lieu ne change pas également et nous avons aussi les mêmes temps, c'est-à-dire le futur, il reste futur. On garde aussi le passé composé et on garde également le présent. Ce qui change, c'est seulement le pronom personnel. On passe de la deuxième personne dans le discours direct à la troisième personne dans le discours indirect. Ce qui m'amène à faire la conclusion suivante. Et lorsque le verbe introducteur est au présent, le temps verbal ainsi que les adverbes de temps et de lieu du discours initial ne changent pas. Maintenant, nous allons transposer le même discours au passé et nous allons voir s'il y a des transformations à faire ou non. Alors, je lis la réponse. Tarou affirma que 15 jours ou un mois plus tard, il ne serait d'aucune utilité là-bas et qu'il était dépassé par les événements. Rieu dit que c'était vrai. Quel changement nous avons fait? On remarque alors d'abord dans le sens. Alors, on remarque d'abord un changement au niveau de l'adverbe de temps. Dans 15 jours ou un mois devient dans le discours indirect 15 jours ou un mois plus tard. Nous avons l'adverbe de lieu ici qui devient dans le discours indirect là-bas. Et puis nous avons effectué aussi des changements par rapport au temps des verbes. On remarque que ici le futur simple, on l'a transformé. On remarque que le futur simple devient dans le discours indirect, inconditionnel, présent. Le passé composé, alors il devient un plus que parfait. Et nous avons transformé aussi le présent en imparfait. La conclusion est la suivante. Et lorsque le verbe introducteur est au passé, les temps des verbes changent, les adverbes de temps et de lieu également. Nous allons maintenant prendre un autre exercice. Donc je lis, Charles regarda sérieusement la grande Nanon et lui dit, « Suis-je bien chez Monsieur Grandet, l'ancien maire de Saumur ?»« Oui, monsieur, tenez, cherchez ma robe de chambre qui est dans cette valise. En voici la clé. » Alors la question est toujours la même, on vous demande donc de transposer l'énoncé du direct vers l'indirect en opérant les transformations nécessaires. Voici la réponse attendue. Charles regarda sérieusement la grande Nanon et lui dit s'il était bien chez Monsieur Grandet, l'ancien maire de Saumur. Nanon acquiesça, il lui demanda de chercher sa robe de chambre qui était dans cette valise-là et lui remit la clé. Hormis les transformations que nous avons déjà vues dans l'exercice précédent, nous avons ici d'autres aspects transformationnels. D'abord, nous avons d'autres types de phrases. Dans la première réplique de Charles, nous avons une interrogation. Quel type d'interrogation? Nous avons une interrogation totale, c'est-à-dire celle qui nécessite une réponse par un oui ou par un non.
Alors, par quoi est introduite cette donc, interrogation? Comment elle la reprend dans le discours indirect? On remarque que cette interrogation totale, elle est introduite dans le discours indirect par le mot interrogatif « si ». Qu'est-ce qui change aussi? Nous n'avons plus l'inversion de sujet. L'ordre normal des mots est rétabli et en troisième lieu, nous avons supprimé le point d'interrogation. Nous avons aussi un autre type de phrase dans la deuxième réplique de Charles. Nous avons quel type de phrase ici? Nous avons la phrase injonctive, c'est-à-dire celle qui est introduite par un impératif. Que devient l'impératif dans le discours indirect? Donc, dans le discours indirect, on transforme, on reprend l'impératif par infinitif. Il lui demanda de chercher. Quelle autre transformation nous avons dans ce discours? On remarque donc une transformation, c'est-à-dire par rapport à quelques répliques qui ne contiennent pas de verbes, comme nous voyons dans les répliques donc soulignées. On remarque par exemple que dans la réplique de Nanon, oui monsieur, il n'y a pas de verbe. On est obligé de reprendre cette réplique dans le discours indirect. Alors on est obligé donc de reprendre cette réplique on est obligé donc de reprendre la réplique dans le discours indirect en choisissant un verbe qui rompt compte de cette réplique-là, c'est-à-dire qui traduit les mots de Nanon, qui traduit son approbation, son acquiescement, c'est pour ça qu'on a choisi le verbe acquiescer. Nous avons la même difficulté à la fin de la réplique de Charles, quand il dit « en voici la clé ». Là, donc il tend la clé, il n'y a pas de verbe, vous remarquez qu'il n'y a pas de verbe, Charles remet tend la clé, donc on va choisir un verbe qui mime, donc, ou qui traduit ce geste, donc le geste donc, de remettre la clé à Nanon. Et nous avons obtenu la phrase suivante et lui remis la clé. On est donc obligé, des fois, dans le discours rapporté, de reprendre autrement les mots du discours direct. D'ailleurs, vous remarquez que des fois, on est même appelé à supprimer, comme par exemple le verbe tenir qui a le même sens que en voici la clé. Donc on a gardé le seul geste donc de remettre les clés. Je relis la réponse. Charles regarda sérieusement la grande Nanon et lui dit s'il était bien chez monsieur Grandet, l'ancien maire de Saumur. Nanon acquiesça. Il lui demanda de chercher sa robe de chambre qui était dans cette valise là et lui remit la clé. On remarque l'ajout de l'adverbe « là » qui signifie l'écart. Que dit la règle? Alors, quand le verbe introducteur est au passé, quelle transformation nous devons faire? Alors, la transformation, elle touche d'abord les temps des verbes. Si, par exemple, au discours direct, nous avons le présent, on va avoir dans le discours indirect l'imparfait. Si dans le discours direct, nous avons l'imparfait, nous allons le garder dans le discours indirect. Le passé composé du discours direct, nous le transformons plus que parfait à l'indirect. Le futur simple devient conditionnel présent, le futur antérieur devient conditionnel passé et l'impératif, on a le choix de mettre ou l'infinitif ou le subjonctif. Alors la transformation, elle touche également la phrase interrogative. Alors l'interrogation totale au discours direct est introduite au discours indirect par le mot interrogatif si. Dans l'interrogation partielle, on reprend donc l'interrogation avec l'expression qu'est-ce que ou ce que. En ce qui concerne toutes les autres interrogations, on reprend le même mot interrogatif et on n'oublie pas de supprimer l'inversion du sujet.
Pour ce qui est maintenant des adverbes de temps et de lieu, dans le discours direct, si on a par exemple hier, on va voir dans le discours indirect la veille. Avant-hier devient l'avant-veille. Aujourd'hui, ce jour-là, demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, cette semaine-là, la semaine dernière, la semaine précédente, la semaine prochaine, la semaine suivante ou la semaine d'après, il y a trois jours avant, auparavant, plus tôt. Alors, et l'adverbe de lieu ici, donc, devient au discours indirect là-bas. Maintenant, on va passer à une autre application, mais là, on va faire une transformation dans le sens inverse, c'est-à-dire on va passer du discours indirect vers le discours direct. Je lis l'énoncé de l'exercice. Monsieur de Nemours répondit au vidame qu'un de ses amis lui avait conté cette aventure et lui avait fait promettre de n'en point parler et qu'il conjurait aussi et qu'il donc le conjurait aussi de garder le secret. Le vidame l'assura qu'il n'en parlerait point. Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, 1678. On vous demande de transposer l'énoncé ci-dessus du discours indirect vers le discours direct en opérant les transformations nécessaires. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est appelé à aller de l'indirect vers le direct? Alors, on va commencer par repérer les verbes de parole, juste pour cerner les répliques. Ici, on a une réplique de Nemours et une réplique du vidame. Donc, nous avons deux répliques. Alors, on va substituer la conjonction du discours indirect par la ponctuation du discours direct. Et enfin, on va appliquer la règle, mais dans le sens inverse, à reculant. C'est-à-dire que on va passer, par exemple, si là nous avons le plus que parfait, on va avoir au discours direct le passé composé. Si on a ici le présent, l'imparfait, excusez-moi, donc on va avoir au discours direct le présent. Ici, le conditionnel, on va le transformer tout simplement en futur simple. Donc voici la réponse. Monsieur de Nemours répondit au vidame. Deux points, retour à la ligne, premier tiré. Un de mes amis m'a conté cette aventure et m'a fait promettre de n'en point parler. Je vous conjure aussi de garder le secret. Et le vidame qui répond, je n'en parlerai point, assura le vidame. Dans le troisième exercice d'application, nous allons nous intéresser au discours indirect libre. Alors, le discours indirect libre, hormis le mariage du discours direct et du discours indirect, le discours indirect libre pose le problème de la polyphonie. Alors, le discours indirect libre traduit une fusion de voix. On parle d'ailleurs de polyphonie et de bivocalité. Le discours indirect et libre, un discours donc narrativisé et littéraire, dans ce discours, le narrateur a plus de liberté à exprimer la voix de son personnage, à rapporter ses paroles. Le narrateur, ici, donc un narrateur démiurge, c'est-à-dire créateur de son propre monde, a le droit alors de transformer les paroles de son personnage, de les fragmenter, de les résumer, de les commenter, tout en étant subjectif et d'une manière très stylisée. L'exercice suivant va déterminer les caractéristiques énonciatives du discours indirect libre. Je lis l'exercice. Après une longue séparation et à la grande surprise de Marie, Paul est revenu vers elle et lui a fait une déclaration d'amour et de fidélité en une phrase pompeuse et stéréotypée. Donc Marie, elle va rapporter les paroles de Paul, c'est ça donc la consigne, au style direct, ensuite au style indirect et enfin, et c'est ça, cela même, la finalité de l'exercice,
hostile, indirecte et libre sur un ton ironique. C'est-à-dire que là, on va essayer de comparer le style direct et indirect au style indirect libre. Voici ce qu'on obtient dans le discours direct. Paul a dit « Je t'aimerai toujours » ou encore « Je t'aimerai toujours » a dit Paul. J'attire votre attention ici sur l'emplacement où, du verbe introducteur. On peut le mettre au début, on peut le mettre à la fin de la réplique. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire dans cette réponse? On a essayé d'être le plus proche possible de la déclaration de Paul. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une déclaration d'amour, donc « Je t'aimerai ». Hein, en une phrase pompeuse et stéréotypée. Stéréotypée, donc, c'est le cliché, c'est-à-dire les déclarations auxquelles on est habitué. Et puis, pompeuse, il y a donc l'adverbe de temps toujours qui signifie donc éternellement. Donc, on remarque alors que dans le discours direct, on est obligé d'être fidèle à la parole qui a été dite. Dans le discours maintenant, dans le discours indirect, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement transposer les paroles du discours direct vers le discours indirect. Et voilà, voici ce qu'on obtient. Paul a dit qu'il m'aimerait toujours. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement remplacé la ponctuation du discours direct par la conjonction « que » et on a donc aussi transformé le verbe. On est parti donc du futur simple vers le conditionnel présent. Nous allons maintenant voir ce que propose la réponse du discours indirect libre. Je lis la réponse. Paul me regardait avec ses yeux de chien dévoué. Il me faisait de grands serments. Il m'aimerait toujours, ne me quitterait jamais. Quelle banalité. Alors, que permet le discours indirect libre? Il nous permet d'abord de nous mettre dans la peau du personnage et de nous exprimer et à sa place. Le narrateur se met dans la peau de son personnage et exprime alors ses pensées, il exprime ce qui se trame dans sa pensée. Alors, ce qui nous permet, permet alors au narrateur, est de permettre au personnage ici de Marie qui rapporte les paroles de Paul, de non seulement rapporter les paroles de Paul, mais encore de les transformer, puisqu'il y a ici, vous le voyez bien, et me regarder avec des yeux de chien dévoué. Donc là, elle transforme un peu donc, les propos de Paul. Donc, le discours indirect libre a justement cette liberté de transformer les paroles du personnage, mais aussi on remarque que Marie, elle a quand même, elle se moque des paroles de Paul. C'est-à-dire que le discours indirect libre, il transforme les paroles, mais aussi il a donc cet avantage de commenter les paroles de Paul par le biais de quoi ici? Par le biais de l'ironie, il m'aimerait toujours, ne me quitterait jamais, quelle banalité. Donc, le discours donc indirect libre n'est pas tenu par la fidélité du discours direct et du discours indirect parce que c'est le subjectif qui est encore plus important. Le personnage, le subjectif alors du personnage, alors qui s'exprime et qui laisse libre cours à sa pensée et le subjectif aussi du narrateur qui se met aux côtés de son personnage, il le soutient et le cautionne. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela? D'abord, pour juste récapituler la différence entre le discours direct et le discours indirect. Alors, très vite, on va dire que le discours direct, il se caractérise par une ponctuation spécifique. Laquelle ponctuation, elle disparaît dans le discours indirect. Il est aussi introduit, les deux discours sont introduits par des verbes de parole
parole, mais le verbe de parole dans le discours direct, il est suivi des deux points, alors que au discours indirect, ces deux points sont remplacés par la conjonction que. Les pronoms personnels et les déterminants possessifs de la première et de la deuxième personne au discours direct sont remplacés par la troisième personne au discours indirect. Les indicateurs de temps et de lieu ne sont pas les mêmes. Au discours direct, on trouve des indicateurs comme hier, aujourd'hui. Dans le discours indirect, on trouve la veille, le jour même, le lendemain. Les temps aussi sont différents puisque au discours direct, on a le présent, le passé composé et le futur qui deviennent au discours indirect l'imparfait, le plus que parfait, le conditionnel. Maintenant, par rapport au type de phrase, nous avons déjà vu que l'impératif devient infinitif dans le cas donc de la phrase injonctive et dans le cas de la phrase interrogative, alors qu'est-ce qui change au discours indirect? On n'a plus le point d'interrogation, c'est-à-dire toute forme d'expressivité est exclue, et puis aussi on n'a plus l'inversion du sujet. Maintenant, quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans le discours rapporté? Alors, les difficultés touchent d'abord, et on l'a un peu vu au tout début donc, de la séance, touchent d'abord les verbes de parole. C'est-à-dire que nous avons des fois des verbes neutres, comme le verbe dire, et on a aussi des verbes polysémiques, comme le verbe demander. On l'a vu tout à l'heure, il peut renvoyer à l'interrogation, à l'ordre. Alors aussi, il y a un problème dans la transposition du direct vers l'indirect, comme par exemple l'énoncé du direct, il n'y a pas de verbe, comme on a vu un peu par exemple dans l'exercice de Nanon et de Charles. La difficulté, elle se passe également au niveau du discours indirect libre qui pose un problème donc de polyphonie. Et enfin, il y a un problème aussi au niveau de la transposition et de la transformation, c'est-à-dire un problème de fidélité et de trahison. Parce que, au final, rapporter, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on rapporte? Quand on rapporte, on transpose. Quand on transpose, on transforme. Quand on transforme, on reproduit. Reproduire, c'est réécrire. Et réécrire, c'est enfin, en quelque sorte, trahir. Donc dans le discours rapporté, quand bien même on aurait l'ambition d'être proche de la réalité, d'être fidèle à la réalité, on finit par la trahir. C'est le propre même du rapporté. Toutefois, le discours poétique est le discours le plus authentique parce que c'est le seul discours où il n'y a pas d'intermédiaire entre la voix du poète et son lecteur. Avant de finir, je remercie infiniment notre inspecteur, M. Semislimi, pour son précieux encadrement. Merci de votre écoute et à bientôt.